Alors, je vous propose une rencontre à présent. On part encore à Dubaï et on va retrouver Louzine Merhabi. Louzine, bonsoir. Alors, vous êtes négociatrice internationale et depuis un moment, vous vous concentrez sur du coaching en épanouissement personnel. Vous parlez 5 langues, vous avez 4 nationalités et vous avez fait 15 ans de salle de marché, suivi du monde de la négociation professionnelle. Il y a du travail à faire pour arriver à un niveau d'égalité. Alors, justement, c'est quoi l'écueil à éviter ? Alors, il y en a énormément. En tant que femme, je pense qu'une des grandes erreurs que nous faisons nous-mêmes en tant que femme, c'est s'auto-censurer. C'est soi-même ne pas prendre l'initiative, ne pas demander l'augmentation de salaire, ne pas même postuler à un job si on n'a pas tous les critères demandés. Et c'est quelque chose qui arrive beaucoup, je le vois beaucoup dans mon entourage et moi-même, je l'ai fait énormément. Pour donner un exemple, quand moi-même j'avais été formée pour devenir négociatrice professionnelle, il fallait faire un test de négociation. Et puis j'avais eu un score assez élevé et on m'a demandé de postuler pour devenir négociatrice certifiée, Certified Professional Negotiator. Et puis je suis allée sur le site pour regarder le jury qui allait juger de ça. Et là, je vois des gens incroyables, un négociateur du FBI, une avocate israélienne. Et j'étais tellement impressionnée que moi-même, je n'ai pas envoyé les documents en me disant « Non, mais ils ne vont jamais me choisir, je ne serai jamais élue. » Et plus tard, c'est eux-mêmes qui m'ont redemandé « Envoie les documents, envoie les documents parce que tu pourrais être certifiée. » Et là, j'ai appris une chose, c'est que je me suis auto-censurée avant même de donner le droit aux autres de me dire « Non, je me suis dit non. » moi-même, et ça c'est une des choses que beaucoup de femmes font et on doit apprendre de ça pour éviter de le faire et prendre des opportunités et demander, 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 parce que si on ne demande pas, on n'a pas. Alors c'est plutôt un monde d'hommes, hein, le monde de la négociation, a priori en tout cas, le monde de la négociation, le monde des salles de marché et des marchés financiers aussi. Comment vous vous y êtes prise pour vous frayer votre chemin, votre place ? Oui, donc j'ai commencé en salle de marché, j'y ai traîné pendant 15 ans et maintenant je suis négociatrice professionnelle. Les deux mondes, ce sont des mondes où l'homme, le masculin est dominant. Ça c'est évident et c'est toujours le cas. Comment je me suis prise ? Par trial and error, je dirais, j'ai appris des choses. Et une des erreurs que j'ai essayé au début, c'était de faire comme si je n'étais pas une femme, de vraiment tellement vouloir être comme eux, que je négligeais le côté féminin, alors qu'il y a énormément d'avantages à être une femme dans n'importe quelle circonstance. Et j'ai appris qu'au lieu de cacher une partie de nous parce qu'on pense que ce n'est pas ce qui est demandé ou valorisé, au contraire, il faut se connaître, il faut faire ce voyage interne pour se connaître qui suis-je, quels sont mes avantages et qu'est-ce que j'apporte, que ce soit en salle de marché, table de négociation ou n'importe où d'autre, quels sont mes points forts et comment je peux les utiliser pour faire grandir tout le monde, finalement. Alors justement, on va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord, vous avez le sentiment, avec toutes ces années au contact de l'homme et des hommes et des femmes dans ces domaines, vous avez le sentiment que c'est la femme qui a changé ou que c'est l'homme ou les deux ? Déjà, ça dépend parce que ça n'a pas forcément changé partout. Et puis, c'est aussi un changement qui n'est pas linéaire et qui n'est pas acquis. Quand on regarde les droits des femmes, on pense souvent que c'est linéaire, c'est step by step, et puis petit à petit, on acquit des droits, et puis les choses évoluent et les choses avancent. Sauf que, n'oublions pas que dans certains pays, il y a aussi eu des situations où les droits des femmes ont été acquis et après ça a été reculé. Regardez dans les pays comme l'Afghanistan, par exemple, les pays comme l'Iran, par exemple, où les femmes, pendant un moment, vivaient librement, assez évoluées, et puis il suffit d'une seule crise pour reperdre toutes ces choses qu'on croit normales, qu'on croit acquises, qu'on croit maintenant devenant partie de la société, et puis ouf, on peut les perdre. Donc, l'évolution, oui. Dans certains pays, oui. Dans certains pays, non. Donc, il y a encore énormément de travail à faire. Et je pense que, bien évidemment, pour arriver à quelque chose de vraiment équitable, il faut que les deux changent, il faut que la vision change, il faut que le regard de la société change. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a énormément de travail encore. Comment vous la voyez, la femme du Moyen-Orient, d'ici quelques années ou quelques décennies? Comment vous la définiriez même aujourd'hui? Alors déjà, comment on définit le Moyen-Orient? Il y a énormément de différences déjà entre les pays du Moyen-Orient. Quand on regarde encore une fois l'Iran, la femme n'a pas du tout les mêmes droits
que la femme ici, par exemple, aux Émirats Arabes Unis où j'habite, ici, les femmes sont plutôt en sécurité, les femmes sont mises en avant, les femmes sont valorisées et ont le droit de travailler dans n'importe quel secteur, allant jusqu'au gouvernement. Il y a énormément de femmes ministres ici aux Émirats Arabes Unis. Et là, donc, c'est le progrès positif, je dirais, parce qu'on avance, on a les mêmes opportunités, on a les mêmes chances. Et la féminité est même quelque chose de valorisé, parce qu'on comprend qu'on n'a même pas une femme dans un secteur, dans un métier ou sur une table de négociation uniquement pour faire joli, où il y a des avantages à être une femme et il y a des avantages à avoir des équipes diverses où chacun apporte ses avantages, son expertise, son expérience et on grandit ensemble avec cette diversité. Donc, le Moyen-Orient, je pense qu'il n'y en a pas un, il y a différents Moyen-Orient, ça dépend du pays. Et puis comment ça évolue, encore une fois, ça dépend du pays. Et puis n'oublions pas, encore une fois, qu'on peut évoluer, mais on peut aussi reculer. Ouais. Et vous aviez parlé, Louzine, puisque vous êtes spécialiste de négociation, négociation avec l'autre, mais aussi de négociation, et vous en parlez beaucoup, de négociation avec soi-même. Quels sont les points sur lesquels vous ne transigez pas, vous ne négociez pas avec vous-même? Ah ben ça, c'est une excellente question parce que beaucoup de gens pensent que tout est négociable. Est-ce que tout est négociable? Absolument pas. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et ça peut être très différent entre moi et vous. Ça, c'est très, très personnel. Qu'est-ce qui est non négociable? C'est important que chacun se pose cette question pour dire, pour moi, quels sont mes non négociables? Et je pense que c'est dans le sens où on arrive à ces valeurs. Quelles sont les valeurs sur lesquelles on ne transige pas? Et où, si on touche à ça, c'est un breaking point, on arrête la négociation, on n'avance pas. Pour moi, mes valeurs, c'est la liberté, c'est la famille, c'est la santé. Ça, c'est trois choses sur lesquelles je négocie pas, je transige pas, et il faut pas venir me chercher sur ce terrain-là. C'est des valeurs que vous portez haut et fort aussi et que vous défendez, pardon, lors des différents conseils auxquels vous faites partie. Merci beaucoup, Louzine, d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Allez, il nous reste justement une minute avant de rendre l'antenne et avant de continuer, hein, bien évidemment, à reparler de cette journée des droits des femmes.